عشرين أدار اليوم العالمي للفرانكوفونية بلبنان أكيد احتفال باليوم العالمي للفرانكوفونية بس كمان بأدار كل الشهر رح يكون احتفالات بالانستيتيو الفرنسي المركز الفرنسي بلبنان بكل فروع إن كان ببيروت أو بالمناطق اليوم معنا بالستوديو مسيو أوريليان لشوفالي أهلا وسهلا فيك مسيو مدير المركز الفرنسي ويعني شوية عربي Je suis arabe. Ça l'examène aujourd'hui le BNN Ça l'examène. Ça fait longtemps que j'apprends. Oui. C'est euh, la troisième année. Vous êtes le bienvenu dans nos studios. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. L'Institut français a beaucoup d'activités durant toute l'année, mais le mois de mars est spécial. Il y a un programme spécial pour le mois de mars c'est un mois vraiment spécial pour nous. Euh, on n'est pas les seuls organisateurs. Avec le ministère libanais de la Culture, avec l'Agence de la Francophonie, avec toutes les ambassades francophones, on organise une, une programmation tournée vers la langue française pour une fête de la langue française pendant presque un mois, où chaque jour, on va avoir des événements, des manifestations, des spectacles, des conférences, de la musique autour de la joie et la créativité de la langue française. إذا اللغة الفرنسية اللي بتقدر تقدموا اللغة الفرنسية من ابتكارات من فنون إن كان موسيقى أو مسرح أو أي نوع من الثقافة اللي بتقدر تقدموا هاللغة رح يكون عنوان لشهر آدار بالمركز الفرنسي إن كان ببيروت أو بمختلف المناطق اللبنانية رح نشوف البروغرام أكثر مع شيفالييه كمان عم نشوف على الهواء البروشور أو La Noëgne. Et où rêvons la francophonie Pourquoi rêvons la francophonie comme titre pour mars Parce qu'on a voulu mettre l'accent sur sur l'imagination, sur euh, l'innovation, sur la créativité, sur la jeunesse, pour dire que la francophonie c'était à la fois une réalité euh, qui faisait partie de, de l'identité euh, libanaise, euh, au même titre que les autres langues qui sont parlées au Liban, mais que euh, on voulait insister pendant ce mois de la francophonie sur une projection vers une francophonie de l'avenir, une langue française de la communication, une langue française du, du plaisir, du partage. Et, et donc euh, c'est toujours intéressant de se réunir et d'essayer d'imaginer euh, cet avenir tous ensemble. Et le rêve qui est très principal euh, ici le, le, le rêve principal pour, pour le Liban, c'est celui bien sûr de, de la paix et de voir que euh, les Libanais, notamment les jeunes, vont continuer à garder cette richesse du plurilinguisme, de pouvoir euh, avoir plusieurs cultures, plusieurs langues et de continuer à connaître tous ces succès dans, dans le monde entier. « la francophonie » est le de الحلم يلي بالنسبه لمسيو لو كتير مهم ليقدروا الشباب والصبايا يعرفوا انه بعضهم بيقدروا يحلموا خاصه بلبنان ويقدروا يحافظوا على هالغنى يلي هو تعدد اللغات وما يتخلوا على ولا اي لغه منهم مهما كان يعني الاجواء او الظروف لانه هيدي هي يعني غناهم الاكبر وضروري انه اللغه الفرنسيه تكون دائما موجوده ليكون في دائما حلم جديد وابتكارات جديده وفنون جديده نكون على علم فيها ونقدر نكون عم نوصلها. On va parler aujourd'hui de la soirée d'inauguration ou de l'ouverture de ce mois, le 1er mars, qui mm -hmm. est vraiment spécial avec Carole Bouquet, l'actrice célèbre qui est vraiment très apprécier au Liban. Mmh. Oui, on a la chance d'accueillir euh, l'actrice Carole Bouquet donc euh, pour euh, cette journée d'inauguration euh, vendredi, euh, le 1er mars. Il y aura en fait plusieurs activités ce jour-là à l'Institut français, donc euh, à Beyrouth, euh, rue, de, rue de Damas. Euh, D'abord, nous organisons euh, deux vernissages d'exposition ce soir-là, notamment un vernissage avec un artiste euh, qui s'appelle Tank qui fait des graphes sur les murs. C'est l'affiche du mois de la francophonie, le, le dessin qu'on voit, c'est en fait de la peinture sur, sur des murs comme une fresque. Donc ça, ça va aussi intéresser le, le public jeune à partir de, de 18h30. Et puis à 20h, à 8h, salle Montaigne, nous aurons donc le, le plaisir et le privilège de, de retrouver Carole Bouquet qui nous fera des lectures de poèmes en musique. Et on est très content parce que je sais que Carole Bouquet aime beaucoup le Liban, elle est très contente d'y retourner et pour nous, le fait de commencer ce mois de la francophonie avec elle, c'est évidemment une grande chance. بيان سور فاذا باول شهر بنهار الجمعه 1 اذار الساعه 6:30 ابتداء من الساعه 6:30 رح يكون في معرض رسومات ومعرض جداريات بالمركز الفرنسي بس كمان من بعد هالمعرض بيست المونتين رح يكون في كارول بوكيه اللي رح تقدم قراءات لكثير من الشعراء على وقع موسيقى جميله جدا ومع كارول بوكيه اكيد يعني بيحلى Tout le monde est invité à voir cette soirée d'ouverture. On peut prendre les tickets où et comment. Il faut prendre les réservations en appelant l'Institut français, donc on pourra vous donner le numéro de téléphone. Toutes les informations sont sur le site Internet. Il vaut mieux réserver euh, sa place pour être sûr euh, d'avoir un fauteuil euh, vendredi soir. Mais sinon, oui, bien sûr, tout le, monde, tout le monde peut y aller. Je crois que le prix d'entrée est de 20 000 livres libanaises. Euh, Et ou... sur, place, sur place Sur place. On peut payer sur place. Il faut appeler avant, mais on paye sur place. Oh, très bien. Arla On va, <rire> <rire> Alan on va voir euh, le pâtissier. C'est quoi le pâtissier les pâtissières, c'est une, hein, hein. une pièce de théâtre euh, qui fait partie de la programmation du, du mois de, de la francophonie. Bien, voilà. Et euh, donc de Nabil Hazan, euh, c'est une pièce sur les femmes, sur le rôle des femmes dans la société, sur euh, euh, la place des femmes, je dirais, dans la promotion des, des libertés et le courage des femmes. Ce courage que les hommes n'ont pas toujours. Donc, euh, c'est un thème euh, universel qui, est, euh, qui va être assez intéressant et on est heureux de le présenter à la fois pour la francophonie. En comme, quelle date Comme pièce de théâtre. C'est le 7 et le 8, je crois. On peut vérifier ça. Euh, et ça sera d'ailleurs à l'occasion euh, du 8 mars, qui est aussi, comme vous le savez, la journée internationale jour des de la femmes. Femme. Donc, on fait à la fois la francophonie, les femmes, la jeunesse. لا كريتيفيتي سي تو سا لو ريف دو مول لا فرانكفوني إذا les bâtissiers والبروشير كنا عم نشوفها على الهواء، les bâtissiers هي مسرحية لنبيل كازان يلي بتحكي عن المرأة، المرأة وين ما كان، المرأة بالمجتمع، المرأة بميدان العمل، والمرأة ك كمان مرأة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 آذار رح تكون كمان بالانستيتيو فرونسيسي على سال مونتين أو سي Euh, non, c'est organisé au, au Théâtre Mono, je crois. Au Théâtre Mono. Oui. 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 Au Théâtre Mono, c'est au Tournesol. Euh, au Tournesol. Au Chams, pardon, excusez-moi. Chams. On va parler un peu du programme euh, oui. de Mars. C'est un long programme partout au Liban. Et dans chaque région, il y a un programme différent. Tout à fait. Donc, à Beyrouth, on rassemble une majorité d'activités, mais euh, c'est très important aussi d'être présent dans les différentes régions du, du Liban. Donc, l'Institut français euh, a huit euh, villes euh, dans lesquelles il, euh, il va présenter des, des activités euh, autour euh, des ateliers pour les enfants, des expositions, des concerts aussi. Euh, qui seront organisées notamment à Saïda au sud, à Jounier, à Tripoli, euh, à Derel-Amar, euh, à Zarlé, même à Baalbek. Donc on voit que vraiment toutes les régions seront, seront couvertes, couvertes et, et concernées pour que cette fête de la francophonie euh, ne soit pas seulement célébrée à Beyrouth, mais aussi dans tout le Liban. Il y a quoi au programme, euh, brièvement Oh, par exemple, il y a des expositions de, de photos, il y a des karaokés de chansons francophones qui vont être très sympathiques, il y a des spectacles qui sont organisés pour les enfants pour apprendre à réciter des, des contes ou à, ou à écrire des histoires. Euh, on fait avec le, le théâtre mono un, un festival international du conte et du monodrame où les conteurs vont aller dans toutes les, les villes du, du Liban. Euh, beaucoup, beaucoup d'activités. Il faut visiter le site pour plus d'informations. Exactement, et aussi c'est une nouveauté cette année, pendant trois semaines euh, à l'Institut français, euh, nous organisons des ateliers chaque jour pour les enfants, le matin pour les écoles et l'après-midi pour les familles qui veulent s'inscrire, et où les enfants de 4 à 14 ans peuvent apprendre le théâtre, la danse, la sculpture et même la cuisine euh, en français, bien sûr, et en s'amusant. La cuisine française alors La cuisine française ou des mélanges <laughs> avec la cuisine libanaise, parce qu'on aime euh, la cuisine libanaise aussi. فاذن كل شهر رح يكون في عده او عده نشاطات بمختلف المناطق اللبنانيه بالانستيتيوت فرنسي فينا نشوف سيت الاستيتيوت فرنسي لاكثر معلومات عن كل موضوع، رح يكون في نشاطات للصغار وللكبار للافراد وللعيال بمختلف المجالات الفنيه وكمان حتى بالطبخ او اي شيء تاني رح تكونوا انتم مهتمين فيه، رح ناخذ سبوت عن الشهر الفرانكوفونيه ونرجع. <applause> Un mois très riche et les partenaires sont là pour vous, euh, vraiment être avec vous. Euh... Dont la MTV d'ailleurs, et je vous remercie euh, parce que vous êtes vraiment des partenaires euh, fidèles, que ce soit pour le Salon du Livre francophone ou maintenant pour le Mois de la Francophonie. Et on est très très heureux de, de pouvoir travailler avec vous pour cette nouvelle édition. Vous êtes le bienvenu encore une fois. Le 1er mars, l'ouverture sera avec Carole Bouquet à l'Institut français à la salle Montaigne à oui. 6h30. Il faut réserver les places. C'est mieux. vous لو le شكراً Merci beaucoup. À مشاهدينا فاذا موعد باول شهر بواحد اذار بالاستيو فرونسي مع عروضات مع كارول بوكيه اللي راح تكون عم بتقدم على وقع موسيقى كثير حلوه كلمات كمان كثير حلوه فكونوا على الموعد الساعه 6:30 بواحد أدار نهار الجمعه بالاستيو فرونسي هلا وقفه ومنرجع نكمل